Oh, ce contre-jour, bonjour. Oui, je sais, ça date. J'ai pas blogué depuis au moins 6 jours. Nous sommes dimanche, je suis contente de reprendre la caméra. Et on va aller, on va commencer déjà par aller manger dans une brasserie, ça fait un moment d'ailleurs. Et après, impro. Ah, c'est le look du dimanche. Nous sommes au bistrot. Une viande là ce midi? Oui, mais j'ai besoin de protéines. Moi je crois que je vais me prendre encore ça là, les tempura de crevettes ou alors l'omelette. J'avoue que leur omelette elle est quand même très très bonne. Ah oui, hier j'ai été refaire du semi et j'ai pris la couleur Louise. Là on voit pas bien, c'est entre le marron et le bordeaux. J'aime beaucoup. J'ai encore craqué pour leur omelette, c'est tellement bonne. Et toi? Chateaubriand. Chateaubriand, frites de patates douces, ça a l'air sympathique. C'était très bon. Et là on part, il fait très beau, à l'aventure, comme on fait, on va se balader. Parce que je te dis, t'étais encore sur ton téléphone et tu t'es énervé. Et ça c'est un signe de quelqu'un à qui on fait remarquer qu'il a une addiction. Ouais. Et les gens, la première chose... Tu parles comme si j'étais drogué. Oui. Non, t'as une addiction, c'est pas drogué avoir une addiction. La drogue c'est un produit toxique. L'addiction c'est quelque chose que tu peux t'empêcher de faire. Dans mon cas c'est compliqué. Non. Si. Ça pareil, ça c'est une parole de... Non mais toi tu n'arrives pas à comprendre que même le dimanche, je dois être connecté. Arrête, non, stop, c'est faux. Arrête, c'est bon. T'es enseignant, enfin toi c'est des horaires de fonctionnaire. T'es pas... Arrête avec des horaires de fonctionnaire. Enlève-toi, voilà. Je connais des fonctionnaires qui ont des boulots qui nécessitent qu'on les joigne de toute urgence. Oui. Oui. Bon, bah, alors donc ça veut rien dire t'es fonctionnaire. Oui, bah je reconnais que comme... Tu travailles dans quoi toi? Tu travailles dans un truc vital? Est-ce qu'il y a une question de vue et de mort? Non. Mais oui, oui, je reconnais. J'ai beaucoup de mal à décrocher, même si c'est le dimanche, même si c'est machin, c'est sûr, mais... Bécile. Ouais, j'avoue, t'as vu comment il est passé Ouais, mais c'est fait, je lui ai dit. Et crois-moi, ça va le faire énormément réfléchir. Et tu penses qu'il faut faire comment? J'ai trop chaud, là. Comment il faut faire? Pour, dans mon cas. Et bien, c'est très simple. Tu dis, voilà, moi, mes horaires de bureau, c'est 8h midi, 14h, 17h. En dehors de ça, je ne fais rien. Non, c'est pas possible. Et ben, stop, stop, on s'arrête là. La question c'est, est-ce que tu es capable d'avoir une discipline ou pas? Si ta réponse est non, ce qui est le cas ici, tu peux m'invoquer toutes les raisons que tu veux. De toute façon, la discipline c'est jamais simple. Bon, enfin, de là à dire que... Non, mais tu fais ce que tu veux. Après, mais, par contre, c'est pas les gens qui tiennent. C'est les moi gens... où les gens vont très vite. Mais non, mais tu vois bien que c'est des imbéciles. Là. Non, mais après tu fais comme tu veux. Moi je te donne la technique pour durer. Si je faisais ce que tu dis, donc à 17h j'arrête, à 10h je commence. Mmh. Attends, moi j'ai pas dit 10h, j'ai dit 8h. Je suis obligée d'avoir mon téléphone à côté. Oui, c'est vrai qu'il y a une addiction, je le reconnais. Voilà, c'est simplement j'ai une addiction. Tu peux pas chercher à dire il faut que j'arrête, je m'en fous, mais tu regardes ton téléphone, même que toi. Puis il faut que tu répondes pourquoi. Tu étais à table avec moi un dimanche, il fait que tu répondes absolument à mail. Pourquoi? Dis-moi pourquoi il fallait. Parce que je vais te répondre très, très clairement, c'est que j'ai tellement de choses à penser, tellement de choses à faire que j'ai peur que. C'est vrai que j'ai peur d'oublier de le faire et que ça passe aux oubliettes, donc je préfère faire tout de suite. D'accord, donc il n'y a que toi qui as des trucs à penser. Pas du tout. Ah non, alors, bon, comment ils font les autres? Eh bah, ben ils sont très doués, ils sont plus doués que moi, ils s'organisent mieux, je ne sais pas. D'accord, bon bah écoute, si t'as déjà la réponse à tout, je n'ai plus rien à dire. Nouvelle journée, bah c'est le lendemain, nous sommes donc lundi, la journée est bien entamée. C'est le jour où il fallait que je clôture le nombre exact de box que je vois avec tous les partenaires, que je fasse le descriptif du flyer. Ça m'a pris toute la matinée. Là, Eric, il a fini ses cours et je pense qu'on va aller faire des courses parce que c'est... Je sais pas comment on fait. Le frigo est de nouveau vide, j'ai l'impression qu'en Italie, il y a une semaine, on a eu pour 200 euros. À ce rythme-là, on voit la baraque. Donc je sais pas, je pense que soit on s'y prend mal, soit j'ai pas l'impression de manger plus que ça, mais bon. Alors, est-ce que vous allez trouver que mon teint est différent? Bon, j'adore tester toutes les nouveautés make-up. Enfin, ça dépend quoi. Je vais pas tester tous les rouges à lèvres, mais le teint, tout ce qui touche au teint, notamment. Et là, évidemment, c'est une nouveauté, quand tu veux, c'est un fond de teint de chez Lancôme. Si jamais ça vous intéresse, cette teinte... C'est la teinte 310N. Teint idole. Teint idole, c'est connu, mais là, c'est le teint idole. Ultra Wear Care and Glow. Donc, care, c'est soin. Et glow, c'est tout ce qui est brillance. Même si moi, je poudre un peu derrière pour matifier. Je trouve en effet que c'est plutôt joli, hein, le résultat. J'attends Eric qui est parti à pied, comme je vous disais. Il ne devrait pas tarder. On va... Pff, oui, déjà 3h30. Et course. Je vais me rapprocher de la fenêtre. Peut-être que ça sera mieux. Pour ce qui est du teint, de la finition. Est-ce que c'est net déjà? Allez, voilà. Ça va? Très bien. On vient de rentrer.
La machine m'appelle, donc je vais déjà étendre ça. Et après, je vous montre les trouvailles. J'achète jamais de fringues. Mais là, je suis tombée sur une pièce qui m'a l'air trop bien. Et puis, deux, trois petites choses aussi qui peuvent être sympas de vous montrer. On s'est fait plaisir. Eric s'est fait plaisir sur quelque chose et moi aussi. Je vous montre tout ça après. Oui, ma puce, je te donne ton goûter. Et tu peux m'aider, ça ira plus vite. Hein. Eh oui, plus tôt j'étends, plus tôt tu goûtes. Bonjour. Ici, la salle des expositions du linge. Les Buffalo, elles sont sèches, mais je peux vous dire qu'elles ont mis un temps fou. Et bah lui, il s'est fait plaisir sur ça. Il est pas mal, hein. C'est pas donné quand même, hein. 60. C'est une fortune. Non, 70. Non, c'est cher. Bah, attends, c'est cher. Pour un clavier, ouais, c'est cher. Mais tu en fait, rigoles, quoi, c'est une fortune. Quand il s'est... Non, parce que c'est un hybride. Non, mais là, il est tout neuf. Regarde dans l'état. Mais non, c'est des pluches dessus. Tu peux pas voir. Oui, c'est des pluches qui partent pas. Donc c'est... Mais si, c'est des pluches qui partent. T'inquiète pas. Okay. Allez, viens, Jackie, on va goûter. Allez. J'ai déjà rangé la partie des choses, tout ce qui est légumes, fruits. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ce que je prends en ce moment à fond la cage. J'en ai pris trois, les minestrones, j'aime trop avec les petites pâtes. Mais moi, je les fais al dente, mais genre al dente plus, quoi. Il faut qu'elles croquent. J'ai pris légumes mini penne et j'ai pris celle-ci, elle me donnait vraiment envie. Potiron châtaigne, évidemment ça, peut-être pour rajouter. Est-ce que vous entendez Eric, il est en train de s'extasier sur son clavier. Ça... Bon, je la connais pas, j'ai senti. Ça a l'air pas mal, en plus c'est pour les peaux sensibles, donc c'est toujours mieux vu qu'il y a une peau quand même atypique. Nous avons également cette petite sauce que j'ai déjà goûtée. Courgette grillée chèvre qui est pas mal du tout. Et je suis passée, si ça vous intéresse, à la Volvic. Je bois beaucoup, donc j'ai pris ça, c'est pour le sport en petit. Et j'ai pris un grand pack parce que moi je tourne à l'Evian. Et l'Evian, il semblerait que ce soit pas la meilleure des eaux. Par contre, celle-ci, c'est pas mal du tout. J'ai également pris ces petites choses falafel. C'est bon, le seul inconvénient, c'est que c'est un petit peu sec. Ça dépend avec quoi tu manges. Ça, c'est un petit peu ma folie en ce moment. Je sais même pas si c'est bon d'en manger autant. En deux tranches tous les jours, avec une tranche de vaza et des tomates cerises. Ça, ça fait mon repas du midi. Et ça, jamais testé, ça me donne envie. Émincé veggie, blé et pois chiches, ça m'intrigue. Et là, nous allons passer au craquage. Donc, il y a eu le clavier, comme je vous ai montré. Une robe chemise, je trouve que ça me va plutôt pas mal au teint. Je l'ai mise là, même si la luminosité, c'est pas ça. Mais pour que vous vous rendiez compte, elle est pas si courte que ça du tout. Hein. C'est une matière qui est très fluide, très douce. Avec des petits collants en laine, ça va être trop mignon. Et des bottes. J'ai pris ceci pour l'hiver qui peut-être s'annonce froid. On en a repris un parce que moi là-haut je commence à cailler sévère. Et même ça peut faire un plus ici le soir quand je suis devant la série. 50 euros, 49,95. Au niveau de la taille, 240, donc ça a épousé tout le lit. Il y en a plein à Leclerc, elles sont top. Si vous en cherchez, Leclerc c'est canon. Je me cherchais un legging, donc la vendeuse a été super sympa. Elle m'a dit bah il y a ceux-là qui sont bien, c'est des leggings opaques, chauds. Regardez, intérieur polaire. Donc pour aller en extérieur, top. Et j'adore les figurines. 39,99. Donc c'est une édition limitée. Il y avait juste un modèle. Donc ça, c'est une Madame Lapin. Super mignonne. Les oreilles, bah, le visage. Nous avons la cape. Les bottes. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Donc ça, ça va aller sur mon bureau. Je pense que je vais faire, je vais les mettre sur une petite étagère. Ce sera plus sympa. Regardez, je viens de l'étendre tout le long. Ça, c'est 2,50 m. Et ça, c'est vraiment la partie polaire. C'est très chou, très doux, très joli. Il est 19h. J'ai pas envie de manger trop tard. Je vais me faire ma minestrone. Moi, parce qu'Eric, c'est pas un gars de soupe. J'ai froid, j'ai très froid comme une fille. 19 ressenti 17, puisque c'est une vieille maison, c'est grand. Et même pour les murs, c'est pas bon hein, quand il fait trop froid. Mais bon, bref, c'est pour la bonne cause. D'où l'achat utile, le plaid. T'es content? Tu vas aller dans le plaid avec maman tout à l'heure. Il adore ça. Tu dis bonjour, tu es les polis, c'est un chat les polis. Bien sûr. Qu'il est mignon. Il faut que je vous montre quelque chose, j'ai aussi regardé. C'est la marque Lumios, bougie végétale. J'ai pu choisir, j'ai pris fleur d'oranger, ça sent vraiment la fleur d'oranger. Le design est très joli. Orange, blossom, ça rend plutôt pas mal, hein. Et ils ont évidemment plein d'autres senteurs. Mais on est sur de la très jolie bougie, là. Et attendez, qui est celui-ci? Est-ce que t'es fière de toi concernant ce genre de choses? Là. Tu es fière? Maman n'est pas contente. J'essaie de voir s'il y a une once de remords dans son œil. Que dalle. Il s'emballait avec celui-ci. Je suis en train de me préparer donc un petit reste de mozza, des petits œufs durs et ça. Et ma petite soupe.
est en train de gonfler. Petit filet d'huile d'olive, évidemment, mais oui. Ah, c'est prêt. Regardez. Alors moi, vraiment, j'aime quand les pâtes, elles sont vraiment pas cuites, limite. Faut que ça croque. Les haricots rouges, l'huile d'olive, les pâtes, c'est délicieux. Et je continue manifeste. Hop. Bon, bah voilà, je pense qu'il y en a un qui kiffe. Hein. Tu l'as adopté, ça y est, c'est fait. Hyper douce. On va être bien, alors. Je me suis rendu compte que je vous avais pas dit au revoir hier soir. Le programme de cet après-midi, déjà, c'est déchetterie dès l'ouverture, 14h, comme je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartons, beaucoup de choses au maximum. Et là, il y a encore tous les autres cartons qui vont arriver pour la box, donc j'essaie quand même de me tenir à jour. Regardez ce qui s'est passé. J'ai reçu une lettre du ministère de l'Intérieur le 20 mars 2022 à 12h42. Vous avez commis une infraction. Le code de la route prévoit la récupération de ce point. Vous remplissez cette condition. J'ai retrouvé mes points. Non, faux, il m'en manque encore un. Mais j'ai 11 points, c'est beau. Voilà, c'est sur ces jolis mots que je vous laisse. Je vais, comme je vous ai dit, essayer de vlogger, même si là on arrive dans la semaine de prod. Donc à voir, je préfère pas m'avancer, mais en tout cas, il y aura d'autres vlogs évidemment. Bisous, ciao.